Donc en fait la marque Champaris c'est né on va dire d'un délire d'amis. On a toujours aimé s'habiller depuis un certain âge, on va dire plus jeune âge. C'est une passion on va dire de base. C'était pas forcément ce qu'on voulait faire de notre métier. Et puis on a rencontré des personnes qui nous ont dit pourquoi pas faire une marque. Vous avez un impact, les gens aiment bien ce que vous faites. Donc nous on s'est dit bon, est-ce que ça vaudrait le coup d'investir du temps, d'investir de l'argent dedans. Donc on a créé le projet Champaris. Donc, qui était un projet d'abord tout simple, c'était créer une ligne de vêtements sans image de marque, donc sans reconnaissance, qu'avec les coupes et les qualités de tissu. Du bouche à oreille, on a eu beaucoup d'artistes et de footballeurs. Puis est venu les basketteurs cette année, donc là en 2016. Maintenant, on est là à faire développer beaucoup la marque pour ce qui est artiste et ce qui est sportif de haut niveau. Alors Champaris, c'est très simple. En fait, c'est parti du mot Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Champaris, c'est la plus belle ligne de vêtements. Ah, si, on tout veut, simplement. On veut traduire en fait, gros. C'est comme ça que nous, on perçoit les choses. C'est nos idées, c'est notre délire. C'est notre vision. Voilà. C'est notre originalité, c'est notre délire, c'est notre univers. Champaris, c'est notre univers, c'est ça. On casse toutes les règles. On n'a pas de code. Exactement, on n'a pas de code. On n'a aucun code. Mais ce qu'on vit, c'est tout. On aime, on le fait. Voilà. Ça plaît pas. Mais du moment que ça nous plaît d'abord à nous, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, comme on affiche souvent, nous, sur les, ce qui est nos casquettes, tout ce qui est, on va dire, où on met des logos, on met toujours 2075. C'est pour expliquer que notre vision, on ne la voit pas maintenant, on la voit plus loin. Parce que tu poses la question déjà. Le logo, il explique vraiment notre univers. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Exactement. Tu sais jamais ce qui peut se passer. On vise pas une certaine clientèle ou une certaine population. Champaris, c'est un truc, c'est universel. C'est un langage qui parle à tout le monde. C'est un univers qui parle à tout le monde. Et je pense que c'est ce à quoi les gens s'accrochent vraiment. Bah, comme on a dit précédemment, nous on marche pas dans les codes. Donc justement, le site internet, la plupart des marques le sortent dès le début. Bah, nous on a en fait voulu susciter la plus grosse demande et on a prévu le site internet cette année. Donc, ça va faire 2 ans qu'on a ouvert le magasin. Et du coup, depuis la première année, on savait déjà que c'était cette année-là qu'on allait sortir le site internet. Donc, en fait, on a préféré voir vraiment si les personnes... Si on avait un vrai impact. Si vraiment on allait recevoir beaucoup de mails par rapport à ça, des demandes sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux du coup. Et on s'est dit là à la deuxième année, donc là on va dire qu'on a un quota et une liste de demandes clientèle énorme. Donc là ça va être vraiment le bon moment. Donc au final on a bien fait d'attendre les 2 ans comme c'était prévu. Ce qui
qui est bien aussi, c'est que sans avoir créé le site internet, on a pu voir tous nos artistes, donc tout ce qui est sportif, physique d'abord. Voilà, on les a vus physiques, c'est-à-dire que tous les artistes et les popularités musiciens, etc., sont venus au magasin directement. Donc on a pu faire leurs rencontres et avoir leurs avis personnels. Ce qui est totalement différent des placements de produits que beaucoup de marques font. Nous, les gens viennent chez nous pour acheter directement, peu importe sa notoriété. Comme le logo l'indique, hein, c'est le logo qui a la réponse. C'est vraiment là, bah, se développer à l'étranger, de voir si l'impact qu'on a eu ici va se propager à travers le monde. Puis en même temps, ça va nous permettre de cibler les endroits et les continents là où on a le plus de commandes. Donc peut-être pour susciter un magasin ou l'ouverture d'une franchise, quelque chose. Là, là où on est le plus influent. En gros, ça va nous permettre de grandir. On veut juste grandir. Hein. Partout dans le monde. Et avant tout, notre but premier, avant la marque et tout, au-delà de ça, c'est toujours de pouvoir rester ensemble en fait. C'est ça notre réel rêve. Peu importe ce qu'on fera, où on ira, le but c'est de rester ensemble. Tout faire à quatre. Tout faire à quatre. Retourner le monde à quatre. C'est à quatre qu'on fera. Les franchises à l'étranger. Donc les franchises à l'étranger. Des pop-up. Des pop-up stores, des placements de notre marque dans certains points de vente qu'on ne pourrait pas vous dire là. Et puis c'est surtout aussi d'exporter vraiment la marque à l'étranger. Ouais, on vise le monde. C'est la table. C'est... là où on peut aller, on ira. Voilà. Ouais. Toujours prêt. On est prêt. On parle pas, on fait. Exactement. C'est important.